ba congolais nyoso tu ba ngba iba il faut ba tala racite nini. Ah, soko uzali congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Osa si. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makamo uzali collega kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Papa kunzeta lobi yango. Foko tala ka. Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makamo ma collega kuna. Na bosa na te. Otala rapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali congolais so ata ba mendele ki ba ko kikotala congodialogue.com bandeko bana mboka bana Congo mbota na bino na banzi bino nyoso lokola mokili mobimba bozali komona mpe kotala na kati ya etando na bino bilili oyo ya somo bilili apocalyptique oyo ezali kolakisama mpe kouta na Afrique du Sud to Afrique ya se ya continent. Nalingi nsango oyo leloba oyo ekende surtout na bilenge ya Congo. Nazali kosupporter to kosoutenir makambo oyo zo kosalama na Afrique du Sud te. Oyo bozo kumona ndenge ba bebisi biloko, misala ya batu, batumbi bandako, biloko mingi. Oyo bozo kumona. Bozo kumona mwa ndambo, kasi biso batu toza sur le terrain, tozali kovivre yango, ezali somo. Okukane saneti bitumba. Guerre civile ezali okansaneti ba bombarder bandako to ba bombarder ba isika kasi ezali nde mukanda ya bato surtout ya bilenge nde basale biloko wana ndenge na lobaki nazali ko soutenir biloko oyo te kasi ezali ko tinda message na gouvernement oyo ezali ko kamba bato oyo ezali hypocritement koloba keno bango bazali na constitution ya malamu bazali na demokrasi ya malamu mpe bazali kosokipe na vie ya bato ba violence nyoso wana bozo kumona ezali ko expose hypocrisie c'est comme ça qu'on doit l'interpréter soki okomi na Afrique du Sud okumona ezali mboko kitoko sana rien na envie à l'Europe ni à l'Amérique ni au monde occidental boyebi ke mundele esika nyoso akena akena na civilisation na ye na science na ye na technologie na ye na loi na ye na organisation na ye alors biloko nyoso sala makana mpoto na Amérique na Canada na Australie na Nouvelle-Zélande esala makampe awa kasi bomengo nyoso ya mboka oyo ezalaka kontrole na un petit pourcentage ya bato. Zali eloko oyo président américain ou ba bengana ki na ebonga Donald Trump abenga ki na ntango ya kampagne na ye deep state. Na français to bengi yango l'état profond. Zali ya bato oyo ba bombani sima. Bomona kabango te. Okumona kaka président azokoloba ba ministre bazokoloba kasi bato oyo ba bazako détenir pouvoir na maboko na bango ba mona na kati bazaka sima ce sont eux qui contrôlent le gouvernement et qui donnent des injonctions au gouvernement ezali ce qu'on appelle l'état profond alors l'état profond wa ezala ba mindele c'est normal parce bango ne bayaka ko coloniser ici quand yo kasi égoïsme et l'équi et les cas. Okumona ba building, banzela ba autoroute, kasi soki okei na zinga zinga, en dehors de la ville. Okumona nenge, bandeko na biso awa, nenge ba mona ka boale. Le décor des infrastructures ne leur profite pas totalement. Je ne dis pas que batu il faut bazala totalement égaux, parce que dans le capitalisme, c'est lui qui travaille plus. C'est celui qui gagne plus.
Mais quand ça devient ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, un capitalisme sauvage, un capitalisme inhumain, et tindakabato, basarabilo koyo, moni basali. Et ça n'a attendu qu'une seule opportunité pour que la population puisse tirer sur la gâchette. Dilokoyo et bandi les loté. Depuis que l'indépendance de Bangui Zouamaka, dans 94, parce qu'il y a une élection, ils ont planté un décor démocratique mais qui était un leurre. Ça a créé une classe pauvre bourgeoise qui a éliminé la classe moyenne. Et la plupart des dirigeants, comme il y a tout, les riches, peuvent continuer à la classe à Mindele. Il n'y a plus de classe moyenne, mais il y a un vide où il y a directement la classe inférieure, il y a pauvre. Donc, il y a biso patumuindo. Mais l'abondance de nourriture était là. Pour eux, ce n'est plus un pari comme chez nous où il n'y a pas de nourriture. L'abondance de nourriture était là. Donc, tout le monde, les clochards, tout le monde pouvait manger, même avec 5 rend au kuli nango okay osombi mitema soso osombi makolo ya soso osombi mapapu ya soso osombi maki okuli ape okufanda ata olali libana na park. Donc le pari de l'abondance alimentaire avait été atteint, achevé, sauf que batumengi bazalaki mpe bazali ba chomer. Et comme je disais, il n'attendait que ce magma du fond puisse se chauffer pour que l'éruption volcanique n'ait tué salama qui n'a goma et salama. Et en gros, vous avez une image apocalyptique, insupportable. Alors, nous avons adressé à la jeunesse congolaise. Vous allez voir. Nous avons battu la révolution au Yawa. Ce sont des jeunes comme vous. Au lieu de passer le temps à supporter au Fayulu, au Igwe Jean-Pierre Bemba, au Félix Tshilombo, au Mouzito, au Moïse Katumbi. Mais agissez comme la jeunesse de ces pays. Que cette jeunesse vous inspire pour prendre le destin de votre vie en main. Ce n'est pas en vous cachant derrière les soi-disant leaders corrompus et corruptibles et corrupteurs que vous allez assurer votre jeunesse. Soutien au Azali, l'ancien président, bien que Azali corrompu, ils ont se justifier. C'est parce que vous êtes loin, vous ne connaissez pas ce qui se passe, que quelque part, Azali Yemoto, Alingaki Azoua, Nambo Yabomengo, pour la classe inférieure. Et les gens ont remarqué ça, que lui, Kaningaki a supporté Babola. Et c'est ce qui n'a pas plu à l'état profond. On ne soutient pas l'ancien président dans la corruption. Mais toujours pour expliquer, bien, pour Boyeba. Parce que vous êtes là, vous vous fiez aux informations des stations de télévision qui appartiennent à la même bourgeoisie comprador à travers le monde. C'est comme on a menti au monde entier que Donald Trump, Azalaki Mutumabe, raciste, Alingaki Batute, ceci et cela. Et les gens y ont cru sans connaître ce qui réellement s'est passé aux États-Unis. Bino Babilengi à Congo, vous attendez quoi? C'est vous qui n'avez pas d'avenir. Biso Bampakatosu de vivre déjà. Vous n'êtes nulle part. C'est à vous de vous sacrifier. C'est à vous de vous jeter dans la rue et d'attaquer tout cela derrière qui vous cachez par la flatterie, la peur, la malicité que vous appelez des dirigeants, des leaders. Ce ne sont pas des leaders, ils sont tous ensemble. Et un d'eux a bien choisi les noms pour baptiser son parti. Nassim Soriano, alias Moïse Katumbi, il a appelé ensemble comme parti. C'est métaphorique et c'est ironique. Il vous dit qu'ils sont tous ensemble. Bofongo la matoye, la bino, na mayele la bino.
ensemble. Ils sont tous ensemble. Vous ne comprenez pas? Bazali bango nyoso ensemble. Il n'y a pas de querelle entre bango. C'est vous qui ne comprenez pas et qui ne voulez pas comprendre. Parce que bolingibo flatté, mpemba yo kilabino mawa. Quand on est dans ses droits, on n'a pas besoin de la sympathie. Je le répète. Quand on défend ses droits, quand on est dans ses droits légitimes, naturels et normaux, on n'a pas besoin de la sympathie des oppresseurs. Attaquer tous ces dirigeants dans leur retranchement. Ces pseudo-dirigeants, attaquez-les dans leur retranchement. Botumba mitu kanabangu. Botumba bango na bandako. Attaquez Moïse Katumbi. Attaquez Mouzitu. Attaquez. Naniwana. Attaquez Batonyoso ya Lamuka. Attaquez Fayulu. Et surtout, Félix Tshilombo, attaquez-les. Bo tumbami tu kanabango, na banda konabango, bo boma bango. Il vous violente. Et un oppresseur ne comprend que le langage de la violence. Pas le langage de dialogue, pas le langage des élections, pas le langage d'amadouage. Ma invite ce que vous comprenez, ngai. Monguna ayokaka, langage moussousouté. Soki moto azoko nyata yo na likolo na ye. Parfois soki azali très lourd azana po ko leka yo. Ako fande la kaka yo. Soki no continue ko yebise no tika azoko sala nga passe ako yo kate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut o pousser ye akoya. On peut o beta ye. C'est l'unique langage qu'un oppresseur comprend. Il ne comprend pas un autre langage. Ce n'est pas le langage de la prière. Ce n'est pas le langage de la démocratie. Ça n'existe pas. Si la démocratie nous protégeait nous tous, l'Occident ne violerait pas les droits des pays africains et des pays pauvres. Et des pays riches tels que l'Iran et la Syrie et les autres. L'Occident ne les ferait pas. Donc, la démocratie occidentale, c'est un leurre. C'est un monstre. Bino bilingue à Congo. Botelema, ne croyez pas et plus. Ce sont des oppresseurs au même titre que les occidentaux, que les esclavagistes de l'époque. 2. Bino Baturaï Depes. Boti Kumona, le degré de la médiocrité de votre soi-disant leader, diplomate et politicien, Félix Tshilombo. Lors d'une conférence bilatérale, yé na président ya Burundi, batunye mutuna, profini ni Congo et kozwa na ba signature ya ba accord boti ko saloyo. Pendant que le président burundais a bien expliqué tant bien que mal dans un français boité bien que tout ko jugé était à cause ya français parce que zamu no kona yete, mais il a prouvé qu'il connaît bien le dossier. Plus que c'est lui que vous applaudissez, que Ayebi diplomatie. Félix, oh, il y a le but que non. Il n'y a qu'à répondre à la question. Les amis, les experts, il n'y a qu'à répondre. Bongo, ba plus de 1000 conseillers, oh, il y a un bongo na présidence. Moi, il y a un bongo Zakanine. Ce n'est pas pour les conseillers avant d'aller dans des rencontres comme ça et d'apposer sa signature sur un contrat qui engage un pays et notre destin. Son homologue a perçu ma chiffre, bien que ça ait été des estimations peut-être, mais au moins il s'est bien justifié. Oh Yabiso, il dit je donne ma langue au chat, les chats ce sont les experts, donc il ne s'est pas consulté avec ses conseillers bien avant d'aller échanger des signatures avec les Burundais. Pourquoi ne pas commencer avec Banzela à l'intérieur et à pays? Construisez d'abord les réseaux routiers nationaux à l'intérieur que commencer avec l'extérieur. Quel est le travail de ces conseillers? Et vous, les gens de l'IDPS, vous passez votre temps avec vos sites d'internet. Bato ma boma neti soki, ou azoko mipenga soki anti-bal.
qui raconte des bêtises, c'est des épaisses. Et ils sont nombreux, il n'y a pas qu'Antibal. Jean-Claude Mubenga et les autres. Vous n'avez pas honte de persister à continuer à soutenir une médiocrité? Vous allez fuir et vous allez vous taire. Quand Félix ne sera plus là, vous aurez la honte. Et nous allons vous tuer, nous allons vous manger. Nous les nationalistes. Ça va venir parce que c'est arrivé dans les pays où on a vu des gens comme vous, des cigales, en train de chanter à chaque saison. Mike Mulwai, tu parles à tout moment de Félix Tshisekedi. 3. Nous avons dit que la proposition de ce que d'aucuns ne cessent d'appeler la loi Tchani n'émane pas de lui, que Eutaki Zalakawana depuis que le Congo est Congo après l'indépendance. Zali Kakayete, mais il fait un travail de vulgarisation. Bandeko, bien que nous ne soutenons pas Félix, qui veut s'accaparer de l'opportunité, nous soutenons l'idée et la vulgarisation de cette proposition, qui n'est pas encore une loi, mais cette proposition. Nous soutenons, ça ne demande pas de débat, ça ne demande pas de discussion au Parlement, ça ne demande pas qu'un signe ait qu'il ne peut déposer en haut le Parlement, parce que c'est un article ou ce sont des articles qui existent dans la constitution actuelle, la charte des occupants, ça se trouve là-bas. Ça ne demande pas de débat. Botoum Sabatote n'a pas brouillé à Pamba Pamba. On n'a pas besoin de ça. Seulement, nous devons exécuter ce qui est dans la constitution. C'est tout. Ça ne demande pas de débat. 4. Toujours relatif à la constitution. Et nous en avions parlé, nous référant aux propos de la femme de Tchani, que Noël Tchani était déjà cheval non partant parce qu'il détient double nationalité. Mais il fait un travail louable et coup de chapeau, M. Tchani. Alors, le président de l'IDPS, qui n'est pas le président de la RDC, M. Félix Tshilombo. Maman Moko a le kisaki na YouTube. La lubaka makambo la fois passée, on gagne kaka pour tout la batoming. Tozo senga na maman wana a la kisa elongi na ye. Nous ne sommes plus na période ya kobanga, mais il est passé sur les antennes d'une radio de la diaspora. Naïm Tsokazali, Radio Benele et Radio Nini. La femme a bien dénoncé, bien qu'il y a pas ça qui pombo na yete, alobi Azali de la famille d'Etienne Tshisekedi. L'audio se trouve là-bas, dans le YouTube. Tout le monde peut retrouver ça. Elle a très bien expliqué brièvement que Maman Marthe, leur alingani, na Etienne Tshisekedi, elle avait déjà un enfant, dont l'une des interviews à moi, na wana, est na YouTube, m'pe bazoko pose ma question, la fille dont le père est rwandais, touti. M'pe leur yé a yé na libala koute na Tshisekedi, elle était déjà enceinte de Félix. Je ne sais pas qu'il le fait comme un travail de Tchani, de réveiller une vérité qui a déjà été là. Cette maman a dit ça. Elle est moulouba. Na seng na ye, a loba komo na ye, mpe a se présenter à loba nenga na zoko loba pour aider les Congolais. Moi, maman wana a lobi, Félix Tshisekedi a yaka déjà zemineza na libumu, ya maman Marthe. Toujours, et pas ya maman, et pas ya papa wana, Rwandais touti, oh papa, ya sœur ya Tshisekedi, ya Félix. Donc, ça ne demande pas d'anthropologie que Félix, c'est un Rwandais, c'est un touti. Même à Talobike, maman naye a otaka na Angola. Même la femme, la tante là qui est en train de parler, na kati ya YouTube, a lobike non, maman naye azali parmi bamasa yona bakena ko fana na Angola. Le Congo est plein de ceux qui s'appellent des journalistes investigateurs. Voilà, il y a une mission pour vous à accomplir. Allez rechercher et vous trouverez que c'est que cette maman, cette tante, cette sœur à nous,
parle est vrai. Parce que Félix, sa maman et la famille de Félix n'ont jamais démenti ce qu'elle a dit. Et ce n'était pas une diffamation. Elle a bien dit que la sœur de Félix, son père, c'est un Tutsi. Et que maman Marthe, à Lingana Kana, Étienne Tshisekedi dit, étant déjà enceinte, il y a Félix. Ce qui signifie que Félix aussi n'est pas congolais, c'est un Tutsi. Et le fait de lui avoir donné ou passé le pouvoir par le Tutsi n'est pas un fait de hasard. Ils se sont concertés et la mère Marthe aurait dit au Rwandais que Ngaï n'a pas rwandaise d'origine. Moi, Ngaï, papa n'a pas papa n'a pas Azali Ndekonabino. Et parfois, ce papa est encore là-bas si la vie lui avait donné l'opportunité de continuer à vieillir jusqu'à un âge. Peut-être là, il est dans le calme. Il ne veut pas sortir sa tête. Quand on a maman, il y a Hippolyte Kadjambele Kanambe, il y a Kimia. On n'a pas donné le pouvoir à Félix Tshisekedi par hasard, même s'il y avait la corruption que Moïse Katumbi a son macaï de peste, ça n'a pas été fait par hasard. C'est parce qu'il y a des liens de consanguinité de la tribu Tutsi qui a fait qu'on lui passe le pouvoir par les Tutsi afin de pouvoir sécuriser les Tutsi au pays et surtout Hippolyte Kadjambele Kanambe. Je le répète, Félix, c'est un Tutsi. Il égare aux propos de cette maman. On n'a jamais démenti ses propos. Donc, la loi, entre guillemets, Tchani, doit aussi s'appliquer à Tchani, mais surtout à Félix aussi. Et si nous mentons, Bato Bayebi et si Kanzoto, il y a Étienne et Zali, parce que Zali est en Belgique, et Zali est en Congo, tester Makila ya Félix là ya papa na ye soki a incinéra nous autres papa na été parce que nous persistons à demander tout ça là ba test ya Hippolyte Kadjambele Kanambe na Laurent Kabila là il y a pas débat parce que c'est connu que ce n'est pas son fils mais au moins ce que les Congolais ne connaissent pas tellement a été bien étalé par cette tante dans le YouTube et le DVD est encore, le disque, l'audio est encore dans le YouTube, c'est trouvable. La zone angola, l'ordinateur n'angawa. C'est le 15 aujourd'hui, le mois de juillet, de l'année encore. Et ceci est man de moi, VIP, je m'adore VIP qu'il est là. Pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpa Vita, de tous les martyrs congolais qui luttent contre l'oppression, l'occupation, de tous les Congolais résistants afin de refonder la nation. Bonne journée. Ba Congolais nyo sotou ba yimba yimba, il faut battre la racite nini. Ah, soko ozali Congolais à solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Eh, tembete. Osasi. Soko di Congolais à solo, okokiko zanga mokolo mokote, esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais à solo. Yango wana. Papa kinzeta lobi yango. Foko tala ka? Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo makoleka kuna. Nabo sanate. Otala kapeka ka? Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali Congolais, so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com.